Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition d'information ouverture hier à Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement sont présents dans la capitale chinoise, parmi lesquels le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour cette 9e édition. Le thème central est la promotion d'une modernisation construite sur une communauté d'avenir sino-africaine. Africaine. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec images à l'appui. Tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Les enquêtes se poursuivent pour déterminer la cause des incidents malheureux. Hier, la chef de gouvernement Judith Suminwa Tuluka est passée par là pour un état des lieux. Les dégâts témoignent l'ampleur des incendies. Et pour ramener de l'ordre sur ce lieu, les instructions de la chef du gouvernement sont vite exécutées. Les ouvriers reconstruisent les bâtiments cassés dans l'entrepôt des aliments, la cuisine et le bâtiment administratif. Pour évaluer les dégâts, la première ministre Judith Suminwa Tuluka est descendue sur le lieu ce mercredi. Cerner le nœud du problème, Judith Suminwa a interrogé certains prisonniers, témoins qui ont confirmé que l'initiative est partie du pavillon 4. Sous les explications de la directrice générale adjointe de la prison de Makala, Déco Madeleine, des pavillons ont été visités, dont celui réservé aux femmes. Certaines d'entre elles ont relaté leur tragédie à la première ministre Judith Suminwa. Elle serait victime de violences sexuelles lors de ce drame. Je pense qu'il était important pour moi de venir me rendre compte de la situation actuelle. Comme on l'a dit, les enquêtes sont encore en cours. Il y a une commission qui a été mise en place. C'était aussi important de venir voir comment les choses sont en train de se rétablir. J'ai visité quelques pavillons, la prise en charge médicale, mais aussi assurer l'alimentation. Maintenant, il faut voir ensuite comment on va continuer le processus de désengorgement. Ça devra se faire le plus rapidement possible, en respectant la procédure évidemment, et les enquêtes vont continuer. Avant les résultats des enquêtes, difficile de connaître l'origine de la crise. Entre-temps, la tension semble retomber. La prison a été ravitaillée en nourriture et autres besoins. Les agents de la SNEL travaillent d'arrache-pied pour rétablir au plus vite l'énergie. Et la chef du gouvernement a donné des instructions claires pour une autonomisation de la ligne de cette maison carcérale afin de mieux sécuriser tous les prisonniers. Comme annoncé au début de ce journal, il s'est ouvert hier à Beijing le 9e sommet des chefs d'État Chine-Afrique. Mais bien avant cela, Beijing avait accueilli la première édition du forum RDC Chine sur les opportunités d'investissement, ce qui a permis à la République démocratique du Congo de signer un protocole d'accord avec le géant chinois CEMOC, spécialisé dans le secteur énergétique. Après le clap de fin du forum Chine-RDC sur les investissements, les retombées sont déjà positives. Ce mercredi 4 septembre 2024, la RDC, à travers son ministre des Ressources hydrauliques et électricité, le professeur Luamba Mubatedi, a signé un mémorandum d'entente avec le groupe chinois CEMOC pour établir un partenariat d'accompagnement avec le leader international dans le secteur des ressources naturelles engagé en faveur de la transition énergétique. Le ministre congolais confirme que ce futur partenariat permettra non seulement d'accroître la puissance de l'énergie électrique desservie aux populations, mais l'activité minière en bénéficiera aussi pour garantir une constance dans la fourniture en électricité. Il s'agit de lancer un partenariat avec un groupe chinois, CEMOC, qui va permettre à construire des centrales photovoltaïques, des parcs solaires à côté de toutes nos centrales hydroélectriques. Les parcs photovoltaïques sont très faciles et assez rapides à pouvoir implémenter. Nous avons un target maximum de 24 mois et un minima de 18 mois. 600 MW supplémentaires sur le réseau congolais, ça sera une augmentation substantielle sur notre économie et une certaine stabilité dans la fourniture d'électricité.
Le CIMOC est prêt à apporter sa contribution nécessaire à l'essor de l'économie congolaise et aussi à la transition énergétique de la RDC. Aujourd'hui, c'est un grand honneur pour moi de pouvoir représenter le groupe CFC, qui est actionnaire majoritaire du groupe CIMOC, pour pouvoir signer ces protocoles d'accord grâce aux capacités financières de CFC. On va introduire les technologies les plus avancées de 4 CFDL, qui est le plus avancé du monde, pour bien développer notre projet. Ceci est une matérialisation de la volonté du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour développer et diversifier l'industrialisation du pays. Face à face, investisseurs chinois et congolais pour le développement agricole. Le ministre congolais de l'Agriculture a rassuré ses interlocuteurs des opportunités d'affaires en République démocratique du Congo. Pas besoin d'intermédiaires pour investir en République démocratique du Congo. C'est l'essence de ces contacts directs entre investisseurs chinois et congolais dans le cadre du forum Chine-RDC sur les opportunités d'investissement. Au cours de ce panel, il était question de persuader les investisseurs chinois à venir développer leurs activités en RDC dans les secteurs agricoles. Pour le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Grégoire Moutchaël Moutombe, la RDC offre des facilités aux potentiels investisseurs chinois, notamment dans les domaines des cultures prioritaires, tels que le maïs, le riz, le manioc, le soja, les tournesols et l'arachide. Des opportunités également dans les cultures d'exportation comme les cacao, le café, les EVA, l'avocat, la liste n'est pas exhaustive. Cet échange à bâton rompu a permis aux deux parties de se faire une idée sur le type de flux commerciaux et les choix du secteur agricole mutuellement avantageux pour les deux parties. Biaya, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, a vanté à Beijing les réalisations depuis l'avènement du président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un porte-parole du gouvernement qui vante les réalisations depuis l'avènement du président RD congolais Félix Tshisekedi dans les secteurs de l'éducation. La gratuité de l'enseignement est un des engagements le plus fort et irrévocable du président de la République parce qu'il faut donner la possibilité à tous les enfants, y compris des enfants qui vivent dans les milieux reculés, qui viennent de familles pauvres, d'avoir accès à l'école. Et pour ça, depuis 2019, donc à l'arrivée du président Tshisekedi, il a concrétisé cette volonté de la Constitution après 13 ans. Outre l'amélioration de la qualité de l'éducation de base, Patrick Mouyaya cite le programme de construction de 5 universités dans chaque province initié par le garant de la nation devant le potentiel. Partenaire chinois, le porte-parole du gouvernement sollicite de bourses pour les étudiants congolais. Ce serait intéressant que ces bourses ou des programmes de partage puissent être consolidés avec les universités congolaises. La culture, vecteur de la communication. En citant le centre culturel de Kinshasa, le ministre de l'écoute et de la parole évoque la bataille du narratif pour écrire autrement l'histoire sino-congolaise. Parce que à la fois la Chine et nous, nous souffrons de cette mauvaise, entre guillemets, de cette perception ou de ce que les autres racontent à notre place. En mettant la culture dans sa place et en ayant une collaboration culturelle forte, je pense que ça aura la possibilité de renforcer les liens entre les deux peuples. Auditoire convaincu par le monde et celui qui porte fièrement la fonction du ministre de la Communication et des Médias, il ne reste que aux investisseurs chinois de se diriger à la bonne adresse, la République démocratique du Congo. Présent au forum RDC Chine, le ministre de l'Industrie a présenté les opportunités d'investir dans son secteur. En prélude du 9e forum sur la coopération sino-africaine, le ministre de l'Industrie Liu Atum Kabamba était présent aux rencontres bilatérales sur les opportunités d'investissement dans le secteur de l'industrie.
Les patrons de l'industrie face au monde des affaires chinois a présenté les opportunités qu'offre le pays dans les secteurs de l'industrie manufacturière avec la possibilité d'implantation des usines à vocation agro-industrielle. Les patrons de l'industrie a ainsi son lobbying sur des textes attractifs tels que la loi sur les investissements en RDC, la loi sur les partenariats publics-privés, la loi fixant les régimes des zones économiques spéciales et tant d'autres faisant partie de cet arsenal juridique. Des leviers qui démontrent à suffisance que l'industrie est l'un des secteurs clés dans le plan national stratégique de développement pour faire de la RDC un pays à revenus intermédiaires à l'horizon 2030 et à revenus élevés à l'horizon 2050. La politique de notre gouvernement veut que nous créions dans les 3 ans qui viennent au moins 6 millions d'emplois. Ces 6 millions d'emplois, nous n'allons pas les créer par la grande industrie. Nous comptons plus sur les petites et moyennes entreprises. Et vous avez largement de la place chez nous. Nous avons mis un écosystème très, très, très solide pour encadrer les petites et moyennes entreprises chez nous, locales, mais également celles qui viennent en partenariat avec les locaux, parce que nous avons une loi en cette matière-là. Vous êtes donc la bienvenue à investir chez nous. Avec les ressources naturelles et sa main-d'œuvre abondante, dans un marché global intérieur de près de 100 millions de consommateurs, ajoutez à cela ces 80 millions d'hectares de terres arables, plusieurs structures ont vu le jour pour soutenir cet élan, parmi lesquelles les conseils congolais des batteries et la direction générale des corridors de développement industriel de l'agence des zones économiques spéciales. Augustin Kibasa Malimba, ministre de PTNTIC, a aussi présenté les opportunités d'investir dans le secteur du numérique. Le secteur du numérique, un vaste domaine à explorer et exploiter en RDC. Présenté aux éventuels investisseurs chinois à Beijing en marge du Forum économique Chine-Afrique. Dans son exposé, Augustin Kibasa Malimba a de prime abord parlé de cadre légal du secteur du numérique en République démocratique du Congo avant de faire un aperçu chiffré sur la connectivité au pays des Lumumba. Il s'est également appesanti sur le part de marché et le défi de développement numérique en RDC. C'est un secteur qui demande énormément d'investissement et que nous pensons que c'est difficile de le voir lui-même prendre la charge de l'investissement. Nous sommes donc ouverts à il faut favoriser les transports de technologie. C'est bien de développer les technologies dans le cadre du partenariat privé, mais il est important d'après ce partenariat que les Congolais soient en mesure justement de bien porter ces innovations que nous allons pouvoir amener au pays. Et elle peut faire la sensibilisation, encore une fois, on y revient, c'est pour nous très important. Pour clore, Kibasa Malimba a expliqué aux investisseurs chinois la stratégie, initiative et politique du gouvernement s'inscrivant dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour booster le secteur du numérique, notamment les avantages fiscaux attractifs, le renforcement du partenariat public-privé favorisant les transferts de technologies. Comment investir en République démocratique du Congo? L'Agence nationale pour la promotion des investissements à travers son directeur général a réuni les patronats chinois pour explorer les opportunités d'affaires en RDC dans plusieurs domaines. L'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI en première ligne pour mettre la RDC sous les projecteurs des investisseurs chinois. Un discours persuasif porté par son directeur général ad intérim au Forum économique RDC Chine qui s'est tenu à Beijing, en Chine. Le professeur Bruno Tshibangu Kabaji a présenté avec précision les potentiels économiques de la RDC. Le numéro 1 de l'ANAPI s'est montré rassurant quant au climat des affaires sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, soutenu par un cadre réglementaire efficace. Les climats des affaires chez nous, en République démocratique du Congo, grand et beau pays, a une réglementation que vous voyez là-bas. Nous avons déjà
c'est les ordonnances de loi, des codes et beaucoup d'autres instruments qui nous permettent cette fois-là d'assainir le climat des affaires afin que vous, les investisseurs que vous êtes, vous veniez travailler dans les conditions normales, dans les conditions productives pour que vous et nous, nous puissions en bénéficier. Faisant de la protection et sécurisation des investissements son cheval de bataille, le gouvernement a mis en place de mécanismes internes et notamment interdiction des nationalisations et d'expropriations, égalité des traitements entre tous les investisseurs nationaux et étrangers, liberté des transferts des revenus générés et le respect de droits acquis. Poursuivons ce journal avec cette mission parlementaire dans le secteur de l'énergie. Voir, comprendre et s'en convaincre, une triptyque indispensable aux parlementaires en mission pour rendre compte de l'action publique. Cette mission parlementaire a reçu comme mandat constater si réellement le projet d'adduction d'eau potable en milieu rural et périurbain exécuté par l'entreprise Stiver Construite dans le cadre du partenariat public-privé est effectif. Nous sommes venus voir où est le matériel. Est-ce que le matériel existe réellement? Ça représente combien de sites? Pour quelle capacité d'eau à donner à la population congolaise telle que voulue par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des entrepôts Stiver Construite, des huileries Massafco aux stations de Mongafula et à la grande de Makala, dont les travaux de génie civil sont terminés avant d'installer ici une station de 12 mètres avec une capacité de 27 000 litres qui va prendre en charge plus de 400 000 ménages. Les élus du peuple se sont montrés pragmatiques. Ce dossier, il a été fait avec l'argent du trésor public. Il faut que le contrat soit mis en œuvre jusqu'à la fin. Donc pour cela, il faut que toutes les institutions collaborent sans recherche de buzz. Pour les 70 autres stations solaires que l'entreprise Stiver Construite doit remettre officiellement au gouvernement de la République, la mission parlementaire exhorte le gouvernement via le ministère du Développement Rural d'harmoniser avec l'entreprise exécutrice pour atteindre le résultat attendu de l'eau de qualité pour la population. Je voulais demander au gouvernement à travers le ministre du Développement Rural de coopérer avec l'entreprise. La population a besoin d'eau potable. Nous, nous avons besoin du résultat. Depuis que l'eau a coulé sous le pont et que la justice s'est saisie du dossier, près de 150 stations solaires ont été livrées officiellement sur les 200 attendues pour la première phase. Et Stiver Construite reste confiant quant au respect du deadline qui court jusqu'au mois de décembre. Le gouvernement et le banc syndical de l'enseignement supérieur et universitaire ainsi que celui de la recherche scientifique sont en discussion en vue d'aboutir à un compromis qui favorise le climat de paix dans ce secteur. Cette commission paritaire a pour mission d'évaluer le niveau d'exécution des engagements pris entre les gouvernements et les banques syndicales de l'enseignement supérieur et universitaire en 2022 et proposer des pistes et des solutions pour les engagements non tenus. Pendant 14 jours, les représentants des acteurs de ce secteur et les gouvernements vont engager des discussions sérieuses et proposer des pistes et des solutions pour une issue apaisée. Représentant la chef du gouvernement qui préside cette commission, le ministre d'État, ministre du Budget, Aimé Boj-Sangara, a rassuré ses interlocuteurs de la volonté du président de la République d'améliorer les conditions de l'enseignement en RDC. Dans le contexte de MPOX, Aimé Boj a émis le vœu de voir toutes les recherches focalisées sur cette épidémie. À son tour, la patronne de l'enseignement supérieur et universitaire, professeure Marie-Thérèse Sombo, a salué les partenariats entre les banques syndicales et les gouvernements pour trouver un compromis équilibré. C'est ici l'occasion pour moi de rappeler la volonté politique et souhait du gouvernement dont je fais partie, de voir ces discussions se dérouler dans un climat de paix et de confiance mutuelle. Aussi, nul n'ignore les contextes dans lesquels se déroule ce dialogue social. Un contexte de guerre, d'agression nous imposée par le Rwanda et ses fugitifs du M23, freinant ainsi l'élan du développement de notre pays, mis sur les rails par le président de la République depuis son élection en 2018.
Ces assises réunissent près de 200 participants venus de tous les quatre coins de la République pour concrétiser l'instruction de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui veut voir un climat de paix régner dans ce secteur. Une mission du Fonds monétaire international est attendue à Kinshasa en mars. Donc de cette mission, la Troïka politique qui s'est réunie le mercredi dernier s'est penchée sur les évolutions de la maîtrise de l'inflation et du taux de change. Des efforts sont plus que fournis par le gouvernement central pour faire face aux chocs liés à la guerre et aux varioles du singe Mpox qui ont des incidences sur les dépenses. La Troïka politique qui a analysé le mardi 3 septembre 2024 la situation économique du pays note également avec satisfaction la maîtrise de l'inflation et des mouvements de décélération quant au taux d'échange. Sous la direction du ministre d'État, ministre du Budget, Aimé Bojisangara Bamanyure, les membres ont planché sur les derniers réglages de la loi des finances rectificatives 2024 et la loi des finances 2025 à déposer d'ici le 15 septembre à l'Assemblée nationale. La situation d'abord de la conjoncture au niveau des prix intérieurs, les nouvelles sont rassurant. Il y a des mouvements de décélération étant du côté de l'inflation dans un contexte où le gouvernement est en discussion avec les syndicats. Il était question de voir dans quelle mesure les projections du plan de trésorerie prendraient en compte toutes ces évolutions-là et pour à la fois garantir que les principaux engagements soient respectés et que cela se fasse dans le respect des équilibres. Le directeur des cabinets du ministre des Finances a lui informé sur les mesures de pérennisation de ces évolutions. Les membres de la Troïka sont félicités donc des évolutions sur le plan macroéconomique et particulièrement sur la maîtrise de l'inflation qui ralentit. Il y a un engagement fort du gouvernement et de la Banque centrale de pouvoir pérenniser cette stabilité afin que l'on puisse éliminer les risques macroéconomiques. Les membres de la Troïka politique ont enfin planché sur l'agenda de la mission du Fonds monétaire international à Kinshasa du 5 au 11 septembre courant. Infrastructure routière, l'office de route est à l'œuvre pour désenclaver le Grand Congo. Il vient de mettre en service le pont Kabangu dans la province du Kwilu. Situé sur la rivière Nko à Bulungu, au point kilométrique 80, le pont Kabangu a récemment été remis en service. Cette infrastructure, mesurant 42,7 mètres de long et 4,20 mètres de large, a été inaugurée par le directeur des ponts et chaussées, José Ekwambengo, en présence du gouverneur de province et de l'ingénieur Michel Miseka, directeur provincial de l'office de route. Lors de cette cérémonie, Ekwambengo a annoncé une augmentation significative de la capacité de charge du pont, désormais portée à 42,8 tonnes contre 32 tonnes auparavant. La largeur du pont a également été élargie, passant de 3,20 à 4,20 mètres, favorisant ainsi un meilleur flux de circulation. Cette réalisation s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui cherche à moderniser les infrastructures du pays en remplaçant les anciens ponts coloniaux par des constructions adaptées aux besoins actuels. Bien que les obstacles aient été rencontrés durant les travaux, la détermination du directeur général, Jeannot Kikangala, a permis de relever ces défis. Ekwambengo a également appelé au respect du tonnage autorisé sur le pont, dénonçant les actes de vandalisme et soulignant l'importance de protéger cette infrastructure par l'affectation d'agents de sécurité. Il est crucial de rappeler que l'implication de tous est essentielle pour garantir la pérennité de cette infrastructure vitale qui représente un atout majeur pour le développement de la région. De booster les aspects positifs d'une bonne gouvernance administrative, technique et financière des agents et cadres de la division urbaine de transport du district de Mouamba. Le ministre provincial Bob Amisso a moralisé le personnel de cette structure. Le ministre provincial des Transports et Mobilité Urbaine de Kinshasa, Bob Amisso Kalumbila,
a effectué une visite de travail à la division urbaine de transport du district du Mohamba dans la commune de Limité. Accueillis avec enthousiasme par les agents et cadres de cette structure sous sa tutelle, ses membres du gouvernement provincial est venu transmettre les instructions du gouverneur Daniel Bumba, instructions axées sur le renforcement de la vision salvatrice pour ce secteur crucial de la capitale congolaise. Lors de cette visite, Bob Amisso a mis un accent particulier sur la franche collaboration, l'amour du travail, la discipline, l'efficacité et l'efficience et surtout la rigueur pour contribuer à une croissance économique de la ville. Vertus qui doivent caractériser cette division urbaine des transports, soulignant ainsi l'importance de la cohésion pour un fonctionnement harmonieux de cette entité. Nous avons appris que vous ne bénéficiez plus de vos primes et autres avantages. Laissez-moi négocier pour vous auprès du gouverneur de la ville de province. Dans la foulée, le ministre provincial Bob Amisso a rappelé que le gouverneur de la ville qui a concrétisé sa vision, Kinshasa et Zobonga, et il a encouragé ses agents à œuvrer dans ce sens. Le chef de bureau de Mohamba a exprimé son soutien total au ministre, promettant ainsi de l'accompagner pour relever les défis afin d'atteindre les objectifs fixés par le ministre. Cette visite, marquée par un fructueux échange entre les ministres et les agents de la division urbaine, s'inscrit dans une série d'initiatives visant à revitaliser les services de son secteur de compétences et ce, en accord avec la vision de bonne gouvernance prônée par le gouverneur. Le ministère des Affaires sociales et le diocèse de Goma vont nouer un partenariat pour une prise en charge efficace des enfants orphelins des militaires tombés sur le champ d'honneur. Dans le cadre d'un partenariat qui sera conclu entre l'orphelinat Don Bosco de Goma et le ministère des Affaires sociales dans la prise en charge des enfants victimes de la guerre et leur scolarisation, accompagné de la députée nationale élue de Rutshuru, Maggy Wakabuba, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a échangé avec Monseigneur Willy Ngumbi, évêque de Goma, qui a promis de soutenir la ministre dans ses démarches. J'ai beaucoup aimé de voir son souci qu'il a de pouvoir venir en aide aux enfants orphelins des militaires qui sont morts sur le champ de bataille, dont les parents versaient leur sang pour ce pays. Il est important que ces jeunes-là qui sentent que le pays les aime, et le pays les considère, le pays veut les aider à devenir quelqu'un dans leur vie parce que leurs pères ont vraiment versé leur sang. Direction Don Bosco, après avoir palpé les réalités de l'orphelinat, Aziza Mounana a remis un lot important de vivre et non vivre, pouvant tenir pour 3 mois. Pour le père Kizito, responsable du centre Gangui de Don Bosco, Aziza Mounana a su concrétiser la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi dans la recherche de l'amélioration du social, ce qui justifie son abnégation dans la quête du bien-être social tel que voulu par le gouvernement souminois. Ce journal a été réalisé par Mamita Bangoulou et Papi Guinamaou. François Kapiamba, Joël Piangou et Ruben Kumbo ont assuré la partie technique. Au nom de cette grande équipe, je vous dis merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 13h30.